Salut Pierre, écoute, merci beaucoup pour ton commentaire. Je vais donc m'empresser d'essayer de t'aider, plutôt en vidéo, c'est plus facile que dans la description pour expliquer les accords. Donc je pense que tu connais le blues et le blues mineur, donc tu sais que c'est 12 mesures, des accords mineurs et souvent des accords 7 sur le pont, les 4 dernières mesures. Donc je vais essayer de t'expliquer pardon, les voicings pour Moonchild Blues de Robin Ford. Okay, donc do mineur 7. Ça, en fait, regarde, c'est une triade de mi bémol, basse do avec le majeur. Hein. Donc, tu joues pas la corde de la, en fait. Hein. Et tout est en huitième case. Pour faire un accord mineur 6, on va changer la septième, le si bémol, vers un la bécart. Donc, il faut que tu repositionnes un peu tes doigts pour faire 8, 7, 8, 8. Ok? Et ça va constituer tes 4 premières mesures de ton blues. Hein. Sauf que la mise en place rythmique est sur le et du 4 pour l'accord mineur 6. Donc ça fait ça. 3, 4, 2, 3, 4, et 1, 2, 3, 4, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Là, on arrive sur le quatrième degré. Nouvelle ligne de 4 mesures. Fa mineur 9. Un accord que tu peux rencontrer notamment dans la bossa, mais pas que, dans le jazz et même ailleurs. Et celui-là, en fait, c'est vraiment comme un Fa mineur 7. Sauf que tu vas lui ajouter sa neuvième, donc tu vas virer la quinte. C'est ce qu'on appelle les accords sans quinte. Tu vas avoir du coup 8, 6, 8 et 8. Et après, tu vas jouer un mineur 6, 9. Attention. Donc là, ça va faire. La tonique qui était avec le majeur va basculer avec l'annulaire, toujours en Fa, et ça va faire tierce mineure, la sixte et puis la neuvième. Hein. Ok? Et pareil, la mise en place rythmique, c'est toujours le E du 4 pour l'accord mineur 6. Donc 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4. On revient au Do mineur 7. Do mineur 6 pour deux mesures et ça finit notre deuxième ligne du blues, les 8 premières mesures. Et ensuite ça se corse un petit peu. Alors là il y a des gens qui jouent des fois un La bémol, basse Si bémol, ça marche aussi. Moi j'entends plutôt un Si bémol 7 avec une 13e. Bon, c'est au choix, de toute façon les deux marchent. Hein. Je te conseille quand même celui-là. Donc pour le Si bémol 7, 13, pareil, je crois que c'est un drop 3 aussi cet accord. Ok, donc 6, 6, 7, et la 13e avec le petit doigt en case 8. Après, on va aller chercher cet accord. Alors, on pourrait le penser, comme là, je joue pas la 7e, puisqu'il y a la 6e. Ça pourrait être un La bémol 7, 13. Ça pourrait aussi être un La bémol majeur 7 avec la 9e et la 13e. Ça, je suis pas trop sûr de mon coup. Donc bon, en tout cas, si tu joues cet accord, ça marchera. Et après, on va faire une mise en place sur le Sol 7 altéré. Donc c'est comme un 13 de tout à l'heure hein, pour le Si bémol. Mais cette fois-ci, on va faire une 13 bémol. Et donc ça va faire au niveau des cases, Sol, troisième case, Fa, troisième case aussi, 4, on a la tierce là ici, hein, le Si, et on va chercher la 13e bémol, donc le Mi bémol. Hein. Pardon, excuse-moi. Et après on revient au Do mineur 7, Do mineur 6. Le thème qui commence. Hein. Voilà, j'espère que ça t'aura aidé. Merci pour ton commentaire et puis bon travail à toi. Ciao, ciao!